là-bas, c'est le nom que nous ont donné les Romains, qui évoque une poule, une gallinacée, voilà. J'ai toujours pensé, moi, cette volaille qui est sur son tas de fumier, en train de crier un peu, voilà. Donc Gallus, oui, c'est vrai que c'est les Romains qui nous ont donné ce nom. Alors ici, c'était une friche, c'était un bois. Et donc on a fait doucement, on a inscrit le village sans trop bouleverser la nature, parce qu'on ne voulait pas créer un décor, le décor il était là. Un endroit qui était abandonné depuis une quarantaine d'années, et j'ai tout de suite vu avec mon collègue en fait comment il allait s'inscrire dans le paysage. L'avantage c'est qu'il y avait le fleuve à côté, source de vie, de communication, c'est par là que tout arrive en fait. Donc un endroit parfait pour se promener et ne pas tout découvrir d'un coup. Chaque parcelle laisse découvrir ses propres habitations. La préoccupation, c'était quand même d'essayer de faire au départ un habitat gaulois, mais en reconstitution archéologique. On peut se situer aux alentours du 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Bien avant la guerre des Gaules, où les Gaulois sont encore indépendants, libres, entre guillemets, ça nous paraît la période la plus intéressante. D'abord parce que les innovations techniques sont déjà là, le fer est employé déjà depuis longtemps, et donc il a permis en fait de développer l'agriculture, bien évidemment la guerre, qui est souvent synonyme d'avancée technique, malheureusement. Et puis finalement d'évoquer surtout ce peuple qui habite notre région, ici, autour de Toulouse, que l'on nomme les Volques Tectosages. Avant de le bâtir, j'ai passé 3 ans à rechercher toutes les sources, que ce soit les publications, toutes les sources scientifiques. Elles étaient très maigre à cette époque-là. Parce qu'évidemment, dans notre région, comme souvent ailleurs, on s'est occupé de ce qu'on voyait, de ce qui était bâti durablement. Donc l'habitat romain avec des galets, avec du mortier, alors que l'habitat gaulois, lui, ben, il a fondu, il a disparu. Il a disparu tout simplement parce que les matériaux utilisés, eh bien, ils étaient immédiatement ramassés sur place, de la terre, du bois, du chaume. Il ne faut pas croire que c'est la chasse qui va produire la nourriture. La chasse, un peu comme au Moyen-Âge, va représenter un tout petit pourcentage de la nourriture qui est consommée. J'ai tendance à dire qu'il est plus facile d'élever des porcs que de courir après des sangliers qui n'étaient pas consommés en plus. Voilà. Les Gaulois ne vont jamais manger de sanglier. Absolument jamais. Oui, je sais, ça fait un peu mourir. Moi, j'ai pleuré 2 fois. J'ai compris, on m'a dit pourquoi. Ce jour-là, on m'a dit que les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier parce que cet animal était très certainement considéré comme sacré. Ici, il y a une vingtaine d'habitations, il y a à peu près 10 artisans qui travaillent, ils ne sont pas tous présents tous les jours, il faut qu'ils se reposent quand même, alors il y en a au moins 7, il y a des animations qui sont à des heures précises, comme la navigation sur la Garonne, comme ici la frappe de monnaie, et puis il y a des animations qui durent toute la journée, où les artisans sont présents dans leur habitation toute la journée. Ça veut dire que cette lisière va être incorporée au tissu en quelque sorte, puisqu'elle a un fil de trame commun avec nous. Voilà donc un travail aussi très propre, hein, beaucoup plus qu'un simple galon qui serait cousu sur le bord du tissu. Ce sont toujours des artisans, donc des gens pour qui c'est à la base le métier que l'on forme ou que l'on déforme à la période gauloise, avec un cahier des charges. On vérifie avant leur première représentation qu'ils seront capables surtout d'accomplir des gestes essentiels, mais surtout de partager. De partager avant tout. Est-ce que vous savez d'où vient la vannerie?
Et en fait, on l'a copié sur un animal, donc on l'a copié sur les oiseaux. Et les premières choses qu'a fait l'humanité, c'est récupérer un nid d'oiseau, mettre des baies dedans, et un jour vouloir le reproduire en plus grand. Il y a toujours eu un engouement, finalement, pour notre ruralité. Et c'est vrai que dans ce monde qui est de plus en plus urbain, eh bien, on est quand même davantage séduit par la ruralité. Et c'est vrai que les Gaulois représentent cette ruralité, puisque la plupart des métiers qui existaient il y a un siècle ont été développés par les Gaulois. C'est tout sauf un parc d'attraction, c'est avant tout un lieu de détente. Ce lieu se découvre un peu... D'abord, il faut prendre son temps. Il faut prendre avant tout son temps. Vous voyez comme il s'inscrit en fait dans la forêt, en bordure de la Garonne. Un endroit surtout serein, où on se ressource et où en même temps, on va apprendre aux enfants et aux plus grands, en fait, qu'est-ce que c'était que cette période gauloise. Une période historiquement courte, mais très riche.